les impôts sur les personnes sont plus élevés en Allemagne qu'en France, les charges sociales, elles, seraient moins lourdes outre-Rhin et l'impôt sur les sociétés plus avantageux. C'est en tout cas ce qui est admis, même si les deux systèmes sont difficilement comparables. Pour preuve, malgré l'engagement de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel en 2011, les deux pays ont été incapables d'harmoniser l'impôt sur les sociétés. Les impôts en Allemagne sont calculés pour une société limitée dans deux faces. Il y a les impôts pour les entreprises, les IS, les impôts sur les sociétés. Et là, le taux d'impôt en Allemagne est 15%, plus une augmentation de 5,5%, donc en total 15,8% sur le résultat net de la société. Après, il y a un taux fiscal déterminé par les régions qui est variable parce qu'il y a des régions faibles qui ont un taux plus bas que les autres. Par exemple, Munich et Berlin, ils sont relativement forts, ils ont des taux élevés. Il y a des régions très faibles avec un taux plus bas pour la taxe professionnelle. Mais en total, il faut compter en Allemagne avec un taux de 30% environ sur le résultat net. Mais la fiscalité directe n'est pas la seule à s'appliquer. À côté de cette fiscalité directe, vous avez la fiscalité indirecte avec la TVA notamment, où les taux sont de 19 et 7%. Le taux réduit de 7% s'applique notamment aux produits alimentaires, aux livres, aux journaux et à l'hôtellerie. Et à côté de ça, vous avez aussi les droits de mutation immobilière. Lorsque vous achetez un immeuble ou lorsque vous achetez une société à capitaux qui détient des immeubles, et lorsque vous achetez cette société à plus de 95%, vous devez aussi acquitter donc des droits de mutation qui s'élèvent en Allemagne entre 4,5% et 6,5% selon les lenders. Impôts sur les sociétés, TVA, droits de mutation immobilière. Au final, ce qui va vraiment faire la différence entre la fiscalité pratiquée en Allemagne et celle en France, c'est le montant des charges sociales. Je pense qu'une grande différence, ce sont les charges sociales pour les employés, parce qu'en France, vous avez comme employeur environ 40%, je pense, charges sociales sur le salaire. En Allemagne, on a 20% charges patronales sur le salaire. Et c'est calculé que jusqu'à un certain montant, à partir de 4 000 ou 6 000, ça dépend de l'assurance, on calcule plus du tout les charges sociales. Donc en général, les charges sociales en Allemagne sont beaucoup plus bas qu'en France. À noter, il faudra être vigilant quant au régime de récupération des reports déficitaires lors du rachat d'une société, mais aussi en ce qui concerne le principe d'intégration fiscale, deux notions qui s'appliquent différemment outre-Rhin. Il faut faire attention, si vous achetez une société qui a des reports déficitaires, il n'est pas évident que vous puissiez les récupérer. Une autre particularité, c'est le principe d'intégration fiscale, qui consiste à consolider les revenus imposables de différentes sociétés d'un groupe. Le régime est un peu différent en Allemagne par rapport à la France, à deux titres. Le premier, c'est que ça ne concerne pas uniquement l'impôt sur les sociétés, mais aussi la taxe professionnelle et la TVA. Et que les conditions de mise en place ne sont pas liées à un taux de détention des filiales de 95%, mais seulement déjà 50% suffisent pour mettre en place cette intégration fiscale. Dernière remarque, les charges financières ne sont pas complètement déductibles en Allemagne. Les charges financières jusqu'à 3 millions d'euros sont déductibles complètement, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, il y a un système assez complexe qui nécessite en fait de recourir à un spécialiste pour savoir exactement ce qu'il est possible de déduire. On ne s'installe donc pas en Allemagne pour bénéficier d'avantages fiscaux ou financiers. En revanche, le système fiscal, même s'il reste complexe, a le mérite d'être stable et non rétroactif, deux éléments plutôt rassurants.